7h du mat, Sacha part au lycée. Les murs il doit raser, pas se faire remarquer. 7h18 et le bus est blindé. Mais ils l'ont repéré et les coups vont tomber. Ça fait 2 ans que ça dure, ouais, 2 ans déjà qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire dans le fond? Si les filles c'est que des copines et que Sacha préfère les grands blonds, à cause d'eux ils rêvent d'être un autre garçon. Mais t'es beau, crois-moi, moi je te jure que t'es beau. Non mais regarde-toi, t'as l'étoffe d'un héros. Ne rêve pas d'être quelqu'un d'autre, la différence n'est pas une faute. Tu ne ressembles qu'à toi, c'est déjà ça. Midi 22, Anna descend manger, les yeux émerveillés au rayon des glacés. Ses collègues vont la dévisager, mais est-ce qu'elle va oser? La grosse va exploser. Mais c'est même pas ça le plus dur, non, le plus dur c'est quand il rigole. Ça finira un jour par la rendre folle. Pour ne pas montrer ses blessures, elle rigole aussi, mais dans le fond, elle voudrait parfois en finir pour de bon. Mais t'es belle, crois-moi, oui je te jure que t'es belle. Non mais regarde-toi, ton sourire est un soleil. Pourquoi vouloir être une autre? La différence n'est pas une faute. Tu ne ressembles qu'à toi, c'est déjà ça. Le cortège s'avance et son père est dévasté, sa mère est sous cachet. Savent ses témoins que Lucas en pleurait. Les roues s'étaient ratées, faudrait tous les buter. T'étais beau, crois-moi, je te jure.